Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rosibé. Je suis, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, nous sommes au Cameroun. Ouais, j'aimerais vous présenter deux vidéos B69 et aussi un activiste camerounais qui va parler de cette histoire des Martinez Zobo. Après cette arrestation de ce monsieur qu'on appelle Abou Melinga, lui qui dit, si on décide pour dire lui va aller en prison, c'est que surtout le Cameroun va être en rouge. Parce que quoi? Il a les vrais papos, il a les vraies révélations dans le gouvernement actuellement là, de Paul Biya. Que où Paul Biya a fait des trucs que lui va dénoncer. C'est pas dans ma bouche, ça va quitter. Mais écoutez très bien que la première vidéo que je vais vous montrer, et après, je vais vous montrer la deuxième vidéo surtout la deuxième vidéo de nos jeunes frères qui s'appelle B69. Vous savez, le Cameroun, pourquoi nous, on ne parle pas trop de cette histoire de la mort de Martinez. C'est pas nous, on va prendre ce flambeau-là pour parler de ça au monde entier. C'est eux, tu dois faire ce geste-là. Mais on voit les meilleurs blogueurs et influenceurs qui s'appellent Stifa. Stifa ne parle pas de ça. Il y a des gens qui ne parlent pas de ça. Mais eux, ils laissent ça. Mais si c'est pour parler des Ivoiriens, ils sont premiers à s'engager pour ça. Mais ils sont là à tuer vos frères. Ils sont là à torpiller vos frères. Mais vous êtes là, vous ne parlez pas de ça. Mais quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est vous êtes les premiers. Oh, la Côte d'Ivoire comme ça, oui, le Bouman, de ceci, si. Mais il y a un danger chez vous. Il y a un épervier qui est en train d'attraper les poussins. Vous ne parlez pas de ça. Mais c'est la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire en dress, c'est là où vous allez vous masturber. Vous êtes dans les douches en train de se masturber la tête. Les frères et sœurs, voici la première vidéo que je vais vous présenter. Écoutez très bien là. Cette petite vidéo, c'est une révélation de ce monsieur qu'ils ont attrapé, le milliardaire camerounais Abou Melinga. Écoutez très bien ce que ce monsieur-là va dire, et bien avant que je vais véhiculer la petite vidéo de nos jeunes frères, B69. Voici la vidéo. Bonsoir. Ici ce grand prince Joya qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Je fais un petit coucou à Willy de Paris, mon musicien préféré, sans oublier bien entendu Vassero. Avant de commencer cette poste que je fais, c'est pour vous dire que la nouvelle est très mauvaise et que j'interpelle tous les 45 millions de Camerounais à suivre ce message édifiant, bien entendu. Le ministre de la Justice a menacé, a envoyé un message de menace au président de la République, Paul Biya, en disant ceci, que si je suis interpellé, je vais publier la liste des gens que tu m'as instruit à tuer depuis que je suis dans le gouvernement, depuis que je travaille avec toi. Elle a dit que c'est Paul Biya qui a tué sa femme, Irène Biya. Et que c'est Paul Biya qui a fait tuer les deux sœurs. À qui, madame Irène Biya s'était confessée. Et qu'il va balancer ça sur la toile. Et il va amener les enquêteurs là où on a enterré ses sœurs dans le sud, je crois. Et il dit que il a envoyé un message de menace à Madame Paul Biya, Chantal Biya, en disant ceci, je cite, si ton mari me fait arrêter, je vais balancer les instructions que tu m'avais données. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, contrairement à ce que nous avons publié dans le passé, que c'est Biya qui avait fait tuer le mari, c'est-à-dire que le père des enfants de Chantal Biya. Eh bien non, c'est Chantal Biya qui avait donné les instructions à Laurent Esso de tuer le mari, le père de ses enfants. Voilà l'information importante.
que je tenais à partager avec vous. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne viens pas tout à toi pour la galerie. Je viens quand j'ai quelque chose de très important à partager avec vous. Donc, Laurent Esso dit, je cite, que si il est inquiété, il va faire tomber le gouvernement, il ne va pas aller en prison seul, il va balancer tout sur la toile. Je peux vous dire ici aujourd'hui que le ministre Motazé est aussi inquiété et il est en train de vouloir faire la même chose, balancer d'autres des noms et des choses que le président lui a fait faire. Mes chers compatriotes, l'affaire est trop grave. Les gars sont décidés parce qu'ils savent que s'ils sont relevés de ses fonctions, de leurs fonctions, eh bien, ils vont directement en prison. Et ils ne sont pas prêts à aller en prison. Ils disent que les autres, ils ont accepté d'aller en prison, passer les 30 ans, les 15 ans de prison, mais eux, ils ne vont pas se laisser prendre, comme les autres. Les autres, c'est les lâches. Eux, ils ne vont pas se laisser prendre. C'est ce que Laurent Esso a dit. Et je peux vous dire que on est en train de vouloir torpiller l'assassinat de Martinez Zogo. Nous voulons la justice pour Martinez Zogo. Tous les Camerounais, tous les 45 millions de Camerounais veulent la justice pour Martinez Zogo. Mais vous savez très bien que tout ce qu'ils font là maintenant, c'est pour amuser la galerie, pour essayer de toupier des choses, voir comment ils vont faire pour changer des choses et tout et tout et tout. Et je peux vous garantir qu'ils sont en train de vouloir changer la déposition du colonel Dawa, Justin Dawa. Ils sont en train de vouloir orienter, accuser plutôt les gens du Nord. Vous vous souvenez, le directeur des impôts qui est parti aux États-Unis, qui est venu ici, à la Banque mondiale, eh bien, on est en train de vouloir mettre sur son dos que celui qui aurait commandité le crime. Voilà ce que l'enquête va bientôt, si ils communiquent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas communiquer avec nous. Le général colonel va se retrouver dans une situation où je vous avais annoncé il n'y a pas très longtemps qu'on est en train de menacer pour le tuer. Et Bellinga, de son côté, a promis 500 millions à chaque enquêteur que s'il est libéré. Et vous avez vu les avocats de Bellinga qui sont sortis pour essayer d'amuser la galerie. C'est normal. Ils sont dans son... les avocats, c'est des prostituées. Ils essayent d'amuser la galerie pour justifier l'argent qu'on lui donne. Mais en fait, il fait croire aux Camerounais que le dossier est vide. Et je peux vous dire ici aujourd'hui que nous sommes inquiets. Restez scotchés. Je vous reviens avec d'autres détails dans les prochains jours. S'il y a du nouveau, je reviens sur la toile. Un petit coucou à tous les Camerounais, à tous les milliers de Camerounais qui m'écrivent de partout dans le monde, jusqu'à Toubori. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce Camerounais, ce qu'il a dit. Ça fait peur. Ça fait tellement peur que... C'est que les Camerounais sont... Depuis combien d'années, ils sont toujours en danger. Eux-mêmes, ils voient le danger, mais ils font semblant. Seigneur. Donc, ça dit le président, mais c'est un coupé de tête. On peut faire ça. Ça fait vraiment mal de voir. On dit non, si je tombe, c'est que le président de la République va tomber. Mais on fait comment là? Non, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié de voir comment les Camerounais doivent se comporter. Non, ça fait ça. Sérieusement, la famille, je suis dépassé. Je vais vous présenter nos jeunes frères B69 qui va aussi cracher ses vérités. C'est une femme camerounaise même qui a pris la petite partie où B52 parlait ses vérités. Mais il est temps de leur dire les vérités. Si c'est pour parler de la Côte d'Ivoire, ils sont agités comme ça.
C'est eux qui vont parler. Ils sont, les gars trempent sur eux comme ça. Quand c'est la Côte d'Ivoire, ils trempent sur eux pour venir parler. Mais eux-mêmes, ils ont un lourd problème. Qu'est-ce les têtes? Mais les gars ne parlent pas de ça. Mes frères et sœurs, je vais vous laisser. Voici la vidéo de B69. Regardons ensemble. Bonsoir mes gens. Ensemble, on va écouter l'Ivoirien, ce qui est en train de nous laver. Mais je pense que tout ce qu'il dit, c'est normal, maman. Nous sommes un peuple sacrifié. Ensemble, on doit l'écouter. Bonsoir, peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir, peuple ivoirien. Bonsoir, peuple d'Afrique. Écoutons-le très bien. Comme j'avais annoncé, je ferai un direct sur ce qui se passe au Cameroun. Donc, les Camerounais sont incapables d'en parler. Mais qui, malheureusement, savent s'en occuper des problèmes des autres pays. Mais ce qu'il dit est vrai. Ce qui se passe au Cameroun depuis près d'une semaine. Donc le silence des Camerounais me rend triste. C'est ça, c'est vrai. La réflexion des Camerounais me rend triste. Donc c'est ça, papa. Et puis, comme bon Ivoirien, se mêler de la politique d'un pays qui n'est pas mon pays, ne me regarde pas, ne dit pas grand-chose. Mais ce peuple alcoolique, cette génération sacrifiée, nous sommes des soulards. Depuis 40 ans que portée à la tête du pays, cette génération est une génération sacrifiée. Maman. Mais elle sait tellement faire la politique qu'elle laisse les problèmes du Cameroun et puis elle va parler de celui de la Côte d'Ivoire. Laisse ça. Un journaliste d'investigation. C'est ça. Qui a pour mission d'éclairer un peuple sur la gérance. Écoutons. De ses biens. Écoutons. De l'argent de l'État. Assassiné. Tué comme un porc, un chien. Et personne n'a rien léché, dit. C'est ça. Violé. On lui a coupé la langue. On lui a coupé, arraché les dents. Tout. On lui a arraché les ongles. Jamais un être humain n'a été aussi assassiné de la plus mauvaise Steve manière. Steve Fa, sortez, sortez. Sortez, Steve Fa. Il faut sortir. Sortez, parlez. C'est vous les grands blogueurs. Sortez. C'est ça. Écoutez. Ils n'en parlent pas. Rien. Ils ne sont même pas capables de se lever. Ils sont dans les bars. Parce que ce monsieur est mort pour eux. Ce monsieur est mort parce qu'il a mené des enquêtes sur la gérance de leur agent. Ils sont dans les bars. Il a été assassiné. C'est ça. Tué comme un porc. Mm. Un porc même, on le tue bien. Mais il a été tué comme du n'importe quoi. Mettez des likes, mettez des likes, mettez des likes. Et ce peuple camerounais est assis. Il ne dit rien. Ce peuple qui sait faire les analyses politiques de la Côte d'Ivoire. Ce peuple qui sait bien s'en prendre à M. Ouattara. Ça, c'est leur travail. C'est ça. M. Ouattara, là. Là, c'est leur travail. Il s'agissait du sud de la Côte d'Ivoire quand on avait tué un journaliste comme ça. Et il n'arrivera pas. Ce qu'on ne vous a pas laissé, c'est vrai. On ne peut pas tuer un journaliste comme ça en Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais sur la gouvernance de M. Ouattara, un journaliste a été tué comme ça en Côte d'Ivoire. Tu as raison. Mais comme ce peuple est un peuple où Paul a mis le cerveau dans la pierre, parce que le cerveau de cette génération camerounaise se trouve dans la pierre. Et la sardine. Je ne veux pas mettre ici Jean-Paul Rémy Godon, que je suis très, très, très souvent. Ah oui, hein. Pour éclairer cette génération, donc le cerveau se trouve dans la bière. Une jeunesse où le cerveau se trouve. On nous a déjà réduit en bière. Yako, Yako, Steve Fa, sortez. Il ne touche jamais à l'augmentation de la bière au Cameroun. La première chose que Paul Biya a déconfiné au Cameroun pendant le Covid-19, c'est les maquis et les bars. Maman, le lavement de ça. Et de cette jeunesse se trouve. Oh, blogueur, répondez, répondez. Répondez à ce monsieur. C'est vous qui avez la visibilité. Il faut répondre à ce monsieur. Voilà. Ils vont chercher leur cerveau dans le casier de pierre. Voilà. Ils ont mis leur cerveau. Et puis ils remettent leur cerveau à la place. Et puis ils viennent parler. C'est ça. La Côte d'Ivoire, ouais, les géopolitologues de la Côte d'Ivoire. Voilà. Là, ils savent faire les débats. Des grands débats. C'est une chaîne qu'on appelle Afrique Média. Qui malheureusement est siégée au Cameroun. Mais qui est incapable d'expliquer la réalité que les Camerounais vivent. Et. Agnobe. Depuis plus de 40 ans de M. Paul Biya à la tête du Cameroun. Et dépasse la mort qu'il y a eu pendant la rébellion en Côte d'Ivoire. Maman. Le crime de M. Paul Biya au Cameroun dépasse les morts qu'il y a eu pendant la crise électorale en Côte d'Ivoire. J'affirme. Mais même le président, même président devant, n'appelle pas ça comme ton ami. C'est que
la zone anglophone, là, tout le temps, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des assassinats. Ils sont incapables. Ben, leur cerveau est en pierre. Leur cerveau est en grosse pierre. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, et ils courent. La mort de ce journaliste a résonné. Ben, j'ai posé la question à certains Camerounais au travail qui sont des collègues. Mais qu'est-ce qui se passe là? Le maître de ce journaliste d'investigation. Mais un journaliste d'investigation, c'est qui? C'est quelqu'un qui va à l'école pour apprendre quelque chose et il a pris à investiguer. Il a pris à mettre. Écoutez très bien le monsieur. Mettez des likes, partagez. Que ça arrive à Steve Farr, le plus grand blogueur du Cameroun. Que ça arrive à Steve Farr, le plus grand blogueur. Je répète, il me dit. Ouais, Aline Zomobem. Tu connais ce journaliste-là. Ouais, Aline Zomobem. Il est trop loin dans cette investigation. Voilà la réflexion d'une jeune. Ouais, Tata Lolo. Ouais, Tata Lolo. Sortez, sortez, sortez. De la géopolitique en Côte d'Ivoire. Sortez. Moi, moins de 30 ans, on a connu des différents chefs d'État à la tête. Ah. Nous, on s'est dit non quand c'est pas bon. Nous, on sait se lever, se mettre dans la rue. Qui me fait, oh, sortez, sortez. Vous vivez dans la précarité là. Maman, la précarité de ça. Vous êtes capable de vous lever un jour pour dire que vous soutenez même un leader qui ose avoir des visions pour le Cameroun. Vous êtes capable. Maman, pas certains parmi vous. Voici mon niveau. Ça, c'est mon niveau. De mettre pied en Côte d'Ivoire. Uh-huh. Que si cela met pied en Côte d'Ivoire, va les tuer. Et cela ne peut même pas mettre pied en Côte d'Ivoire. Ces Camerounais, quand même, parmi vous, qui sont courageux et qui dénoncent les faits des sociétés du Cameroun là. Je voudrais quand même les saluer. Parce que oui, il y en a. Il y en a comme les gens pour Rémi Konon. Il y en a encore d'autres que je ne connais pas trop le nom. Mais pour vous qui êtes hypocrites, à ne pas venir exposer votre comportement de vendre des piments sur les réseaux sociaux, vous savez que gueuler dans l'affaire des autres. Ah, mais c'est arrivé là-bas, papa. Hey. Vous êtes des lâches. Partagez. Qui se bat au quotidien pour dénoncer le vol qui se passe à la tête de votre pays. Vous êtes tellement des lâches, un peuple lâche pour qui il ne faut pas se battre. Vous êtes un peuple lâche pour qui il ne faut pas se sacrifier. Vous êtes une génération lâche qui n'en vaut pas la peine. Et je ne sais même pas pourquoi ce journaliste-là est allé même à se battre pour vous et à se sacrifier pour vous. Parce que le maître de ce genre, il y en a tout le temps au Cameroun. Parce que après le maître de ce journaliste, la voiture de celui qu'ils ont pris pour prendre le journaliste pour aller le tuer a été assassinée. Parce qu'il a dit, mais pourquoi il y a du sang dans ma voiture? Pour vous dire que nous sommes au courant de toutes ces bêtises et ces meurtres qui se passent dans votre pays. Mais en tant que bon Ivoirien, c'est ce qui se passe chez nous qui nous intéresse. C'est le changement que nous voulons dans notre pays qui nous intéresse. C'est ça l'Ivoirien. Ce n'est pas l'Ivoirien qui devient malien aujourd'hui, comme les prosoroïs là. Ce n'est pas nous l'Ivoirien. C'est ça. Ce n'est pas les prosoroïs qui vous soutiennent dans votre bêtise à vilipender ma Côte d'Ivoire, ma patrie. Ce n'est pas ça l'Ivoirien. L'Ivoirien ne se mène pas de la politique des autres. L'Ivoirien aspire un changement dans son pays et il est concentré sur ça. C'est pour cela que nous allons écouter si sur le Paris. Et puis après avoir écouté, je vais lui dire aussi, parce qu'il faut savoir dire les choses. J'ai pris plaisir à l'écouter. Mais en même temps que je l'ai écouté, qu'il a raison, je vais lui dire aussi qu'ils ont leur part de responsabilité si les Camerounais nous insultent. Si les Camerounais insultent nos chefs d'État. Qu'aujourd'hui... Bref, la famille... Vous-même, vous avez écouté B69 et aussi vous avez écouté l'activiste camerounais qui a parlé. Cette révélation me touche encore le cœur. Donc, ça veut dire, si Abou Melinga est toujours dans la main des autorités, c'est qu'il y aura des révélations que nous-mêmes, là, est-ce que nos parents, même qui sont, que ceux qui nous ont mis au monde, même, ne sont pas dedans aussi? Dans les tueries comme ça. On se pose des questions, c'est comme un cercueil qui est en train d'attraper des sorciers dans le village. C'est ça qui est là. C'est le cercueil qui est à Bouméniga qui est en train de tourner. Ah, tout le monde est effrayé. Hein? Quand le cercueil vient à côté de ta maison, de ta cour familiale, ton cœur bat, tu dis, dans la famille, c'est qui? Oh? C'est ça qui est là. C'est dans quel pays où vous êtes? Ça, nous, on vous dit, vous êtes sur autre planète. Pour vous, là, c'est un continent. Cameroun, c'est un continent. Comment quelqu'un qui dit, si je suis encore là, et vous, si je veux parler ce que vraiment
le Cameroun va sombrer. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est moi qui vous parle. Mais c'est méchant. Des fois, les Camerounais, eux me voient dans leurs propres yeux, ils voient la réalité. Mais les gars font semblant de ne pas voir. On peut faire ça. Les gars font semblant de ne pas voir. Les gars font semblant de faire endormir. Faire endormir la population. On voit les blogueurs ne parlent pas. Les influenceurs ne parlent pas. Les activistes camerounais ne parlent pas de ça. Mais pourquoi? On se pose des questions de pourquoi. Toi, tu es un blogueur, tu es un influenceur, tu es un activiste, tu vois ton frère est couché comme un margouillard qui a fait deux jours qu'ils ont tué, enflé un journaliste. Quand on dit un journaliste, quelqu'un, tu travailles avec la loi. Donc chez vous, il n'y a plus, même pour tuer quelqu'un, on s'en fout maintenant. On s'en fout maintenant. Pour tuer quelqu'un, là, c'est à la minute, ça ne vous dit rien. Donc, ça veut dire le président même. Lui-même, il est noyé dans cette affaire. Si on comprend très bien. C'est pour cela qu'il voyait des gens qui parlaient pour dire, est-ce que le président même n'est pas noyé dedans? Mais ça fait peur. Ce pays-là fait peur. Les Ivoiriens qui et vous qui êtes au Cameroun, là, s'il vous plaît, faites très attention. Fait beaucoup très attention, sérieux. Regardez entre eux-mêmes. Ils sont là, c'est tué, puis ça ne va pas à quelque part. Les gars font étouffer, eux vont étouffer l'affaire là. J'ai vu un gars, tu dis lui, on le poursuit, il a parcouru 5 km. À un moment, les gens, parce que vous savez, les gens voulaient nous marmailler, il ne faudrait pas que notre idée reste si cette histoire. Il y a un gars qui quitte là-bas, il dit non. Lui, il y a des gens qui veulent le tuer. Donc, lui, il a fui, il s'est échappé au tuer là. Ils ont une unité, on appelle Bi. Non, les gars m'ont poursuivi, les gars m'ont raté. Je suis allé dormir. Aujourd'hui, j'ai parcouru 5 km en train de courir. Tout ça là, j'ai fait deux jours dans la brousse. Oui, je suis ceci, je suis cela. Et puis, on voit un chiot à côté. Comment toi, tu es en train de courir et puis il y a un chiot à côté de toi. Lui qui te filmait là, lui aussi n'était pas dans ce cours. Et regardez comment les gens veulent faire endormir l'esprit des gens. Les gens sont au sérieux parce qu'ils ont tué un journaliste. Toi, tu veux avoir des buzz, tu veux avoir des vues, tu fais semblant, tu dis, toi, on te poursuit, on veut te tuer aussi parce que tu es en train de dénoncer des choses. Mais prenons-nous au sérieux. Donc, ça veut dire, dans votre continent qui est le Cameroun, mais vous ne prenez pas les mots au sérieux. Vous ne prenez pas des gens vraiment qui ont tué, on les arrache la vie. Vous ne les prenez pas au sérieux. C'est l'alcool seulement qui vous plaît. L'alcool fait des rapports, fait encore autre chose. C'est ça qui vous plaît. C'est ça qui est vos plaisirs. Mais pourquoi vous faites ça? Nous, on peut pas être, on peut, nous les Ivoiriens, on ne peut pas s'engager pour dire on va faire votre lutte. On ne peut pas. Nous, on vient parler. On vient parler parce que... Nous, on ne peut pas prendre votre engagement. Amen. Vous-même, prenez votre destin. Amen. Prenez votre engagement. Amen. Parce que c'est qui? Votre média, Afri Média, n'a jamais parlé de Martinez Zobo. Je suis Afri Média. Je n'ai jamais attendu en train de parler de Martinez Zobo. Mais c'est humiliant, c'est honteux. Vous avez fini avec la communication, c'est vous. Tellement que vous avez fini la communication, on ne sait même pas le vrai problème qui se passe au Cameroun. Vous étouffez cette affaire-là. Vous étouffez cette affaire-là. Il ne faudrait pas que tous les médias parlent de ça. Mais on est au courant. Ce n'est pas la première fois de tuer un journaliste. C'est votre habitude. Excusez-moi. C'est votre habitude. Parce que le problème est que chaque année, vous tuez les gens. Chaque année, vous tuez les gens. Chaque année, vous tuez les gens. Chaque année, vous tuez les gens qui sont influents, qui sont connus dans votre pays. Mais vos pays, c'est un danger potentiel. C'est un vrai danger. Regardez à 40 ans au pouvoir. Regardez comment les gens meurent chaque année. Je ne sais pas si c'est un règlement de compte. Je ne sais pas si c'est les mêmes là qui vous empêchent de rester toujours au pouvoir. Je me pose des questions.
C'est le même vieux qui a parlé la fois dernière, il a dit non que oui, où le fils de Paul Biya a été empoisonné. Actuellement, il y a les féticheurs qui sont autour de lui, qui sont venus faire les pratiques, tout ça là. Mais ça fait peur. Tu te poses la question, tu dis, mais attends, où va le monde? Tu te poses des réelles questions, mais où va le monde? On va où avec ça? Mais ça fait peur. Le Cameroun, c'est un danger. Moi, mais j'ai peur. Et j'ai peur de mes frères ivoiriens qui sont au Cameroun. Oui, j'ai peur. Mes frères qui sont au Cameroun, j'ai peur d'eux. J'ai peur pour eux. Et puis, je suis triste pour eux. Parce que là-bas, c'est un pays. C'est le continent pour empoisonner quelqu'un, ça la minute. Pour tuer quelqu'un, mais ça la minute. Eux, la mort, là, ça ne les dit rien. On dit que quelqu'un est mort, sa famille en deuil, sa famille est en train de pleurer, et il y a des gens qui viennent prendre ce deuil-là pour faire autre chose avec ça, pour faire des plaisirs. Mais ça fait mal. Ça fait mal, ça fait pitié. Mais on va où avec ça? J'ai mal, hein, sérieux. Si la personne dit, j'ai mal de voir cette histoire des matinées au bout, les gars veulent étouffer, les gars veulent faire que oui, faut pas, on va se concentrer sur ça. Un coup, vous allez voir que le dossier n'existe plus. Ils vont mettre ça en placard. Parce que si ce gars-là, quand même ce monsieur a dit, il dit s'il est encore là, il va dénoncer beaucoup de choses. Ça veut dire là. Procureur même qui a été lui poser des questions, qui lui questionne, est-ce que lui aussi n'est pas noyé, même si sa famille aussi n'est pas dedans. C'est là la question. C'est là où on se pose des questions encore. Ça fait vraiment pitié. Te vois dans un pays où tout le monde ne sont pas en sécurité. Oui. Où tout le monde ne sont pas en sécurité. Chacun a peur. Là, chacun a peur. Hein. C'est ça on dit. Chacun a peur. Chacun protège sa tête. Chacun protège sa tête. C'est ça qui est là maintenant. Chier, on peut faire ça à Dama. La famille, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Bisous.